Ce mardi 20 décembre, Céline Saffré, visage régulier des épisodes de Famille Nombreuse, La Vie en XXL cette année, a dévoilé sa liste hallucinante de cadeaux de Noël pour ses 9 enfants. À l'approche de la fête préférée des enfants, Céline Saffré s'apprête à gâter les siens. L'ex-participante de Famille Nombreuse, La Vie en XXL vient de dévoiler sa liste de cadeaux tout aussi longue que sa tribu. Malgré son récent séjour à l'hôpital, celle qui a accouché il y a 13 jours d'un 6e petit garçon, a anticipé les réjouissances du 24 et 25 décembre. Recevant un certain nombre de messages au sujet des présents qu'ils vont offrir avec son mari Fabrice, la mère en congé parental de 39 ans a fait les comptes. Une multitude d'idées cadeaux maman de 9 enfants, Céline Saffré s'est montrée généreuse avec chacun de ses petits, comme vous pourrez le découvrir ci-dessous. Paul, 12 ans. Fauteuil gaming, un jeu de Switch et une montre connectée. Jean, 11 ans, une paire de baskets, une paire d'écouteurs sans fil Adèle, 10 ans, tout un kit pour dessiner en plus d'un kit de produits de beauté qu'on peut dénicher dans les magasins non alimentaires, masque pour le visage, sel de bain. Louis, 8 ans, télévision LED pour sa chambre, des Lego et des jouets Playmobil. Charles, 6 ans, une tablette tactile Android, une voiture télécommandée, deux robots et un talkie-walkie. Marcel, 4 ans, un grand établi de bricolage, un garage, construction sur 3 niveaux, une guitare en bois et un kit de réalisateur, micro, casque. En bois rose, 3 ans, et Valentine, 1 an, cabas de course et landau de poupée en herbier, table allongée et lit pour poupon, aspirateur balai en bois et toute une panoplie pour la cuisine, réfrigérateur, friteuse. Augustin, le dernier-né, un lama à bascule. Des dépenses pas toutes sponsorisées. Certains se diront probablement que les placements de produits ont pu aider ses parents à accomplir la mission du Père Noël. Il est vrai que la Girondoise est adepte des bons plans et collaborations sur son compte Instagram, à l'instar d'autres participants de Famille Nombreuse. Pour autant, cette liste, qui avoisine facilement plus de 2000 euros de cadeaux, a été accueillie positivement par ses abonnés en quête d'inspiration. À lire aussi, elle était sonnée par l'impact. Céline Saffré, Famille Nombreuse, donne des nouvelles de sa fille Adèle amochée après une violente chute à l'école.